Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale chaque année nous donne l'occasion de nous souvenir de l'œuvre de tous ceux dont l'idéal, la lutte et les sacrifices ont porté notre quête de liberté et de dignité, puis notre exigence d'indépendance et de développement de la nation béninoise. Hier comme aujourd'hui, leurs souvenirs restent vivaces dans nos esprits et notre fierté envers eux ne faiblit pas. En renouvelant ce rituel républicain, nous exaltons les valeurs qui, depuis l'origine, nous caractérisent afin de les perpétuer de génération en génération. Ces valeurs font de nous un peuple brave et fier, un peuple travailleur et tolérant, dont la mosaïque, loin d'être un handicap, est une richesse vivifiante de notre développement commun. Et quand bien même, dans ce gratifiant vivre ensemble, viennent à survenir des épreuves, nous savons toujours nous retrouver, nous parler et conjuguer nos efforts pour repartir de l'avant, avec encore plus de foi en l'avenir. Tel est le ferment qui nourrit notre communauté de destin et nos certitudes de lendemain meilleur. Mes chers compatriotes, notre processus de développement a besoin de la conjonction des énergies et des ambitions de tous. Il nécessite que parfois, face à l'âpreté des défis, nous allions plus vite que d'ordinaire. C'est justement pourquoi, depuis 3 ans, après le diagnostic posé sans complaisance, qui nous révèle nos faiblesses structurelles et nos places face à nos urgences, la dynamique que j'ai imprimée à l'action publique veut que nous fassions preuve de beaucoup plus d'efforts et d'ambition que par le passé. À cet égard, nous avons enregistré de bons résultats. Nous pourrions même dire, en toute modestie, que ce sont quelques prouesses quand on sait d'où nous sommes partis. Mes chers compatriotes, n'avons-nous pas fait un certain chemin en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les actes de naissance, la sécurité dans nos contrées et sur nos routes, les routes intercommunales et interrégionales, l'asphaltage en cours dans nos quartiers, les pistes rurales, la production agricole, le football, etc. Ce sont là autant de repères qui témoignent des fruits de plus en plus visibles de nos efforts collectifs. Chers compatriotes, fort de nos avancées dans le domaine de l'identité des personnes, et après l'assainissement du secteur de la microfinance, j'ai décidé avec le gouvernement de donner une plus vaste ampleur au programme de microcrédit aux plus pauvres. Ainsi, la dotation de 6 milliards de francs CFA affectée en mars dernier au microcrédit aux plus pauvres sera portée à 10 milliards de francs CFA au titre de cette même année 2019. Ce même montant sera reconduit chaque année pour le renforcement des fonds de microcrédit aux plus pauvres afin d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Dans la même logique, j'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Ou alors, qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Ces initiatives à fort impact social constituent sans conteste autant de preuves de la répartition équitable des fruits de la croissance économique qui elle-même, parce qu'elle est de plus en plus élevée, atteste que notre pays est effectivement entré dans une phase de développement soutenu. Nous pouvons nous en féliciter. Mais pour être davantage perçus, afin d'impacter plus encore nos conditions de vie, cette dynamique que soulignent et saluent tous les organismes internationaux spécialisés doit être maintenue et amplifiée. C'est à cette condition que nous pouvons espérer qu'en entrant dans son 3e âge l'année prochaine, le Bénin aura passé un palier pour s'inviter durablement dans le cercle des nations qui avancent. Le Bénin révélé serait ainsi irrémédiablement en marche. Le Bénin qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, y compris ceux qui, dans leur parcours, ont connu des moments de faiblesse au point d'entrer en conflit avec les lois de la République. Convaincu que l'énergie de ceux-là est aussi nécessaire à notre progrès, j'ai décidé d'accorder la grâce à ceux d'entre eux qui en remplissent les conditions. Je les invite
par conséquent, à se montrer désormais digne de cette confiance de la République. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Vive le Bénin !